Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le numéro 2 du calendrier de l'Avent. Ça y est, jour 2, on y est. Donc Michel m'a gentiment envoyé un calendrier qu'elle a préparé de ses mains et un petit cadeau en plus à ouvrir. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc, le petit indice du jour. Je vais fouiller dans ma petite boîte à indices. Donc le numéro 2... Hop, on soit un papier de fond étoile, oui Harper. Harper qui est en train de me lécher la main. Arrête, je suis en train de faire une vidéo. Oui, je fais une vidéo. Ben oui. Alors le numéro 2, c'est une petite étoile ici avec toujours un fond sapin blanc et noir. Hop. Et le petit indice, on en a toujours besoin. Donc on a un tamponnage de serre et une petite boîte aux lettres. Alors, on en a toujours besoin. On va le mettre là en attendant. Et on en a toujours besoin. Moi, j'ai toujours besoin de scotch double face en général. Mais vu la taille du paquet, ça ne va pas être ça. Des tampons. Des dyes ou des rubans peut-être. On va regarder. On va découvrir ça ensemble. Donc je coupe le petit fil. Hop. Toujours ce magnifique papier. J'aime beaucoup. Il est très joli ce papier. Hop là. Et on va découvrir notre petit cadeau du jour. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah! Carnet de découpe, carnet de tampons. Ah, c'est super chouette. On a un petit papier avec des petits ours polaires. Il est super mignon. Ici, elle a marqué du coup carnet de découpe sur une petite découpe avec des petits sommets. Ici, elle a mis une petite pince pour fermer le carnet. Ici, nous avons voilà une petite reliure avec une twin blanche et bleue. Ah, c'est super. Là, on va regarder petit carnet de découpe. Hop. Oh waouh! Elle a mis tout plein de découpes. Donc ici, il y avait une petite pochette et à l'intérieur, il y a des sapins. Donc on a des sapins dans un papier vert. Bah justement, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, ça fait un fond, le papier branche de sapin. Donc on a ce modèle-là, comme ceci, bah c'est le même. Hop. On a tout plein, oula, tout plein de sapins. Hop, il y en a un comme ça aussi. Ah, super. Bah, merci beaucoup pour les petites découpes sapins. Hop. Ensuite, il y a plusieurs petits livrets. Il y a 1, 2, 3, 4. 4 petits livrets avec des découpes. À la fin, j'ai une petite planche de stickers avec des bonhommes de neige. Ils sont super jolis. Ah, trop beau. Merci, merci. Il y avait aussi des autocollants comme ceci avec des cloches et des lanternes aussi. Et enfin, encore une bande avec des sapins. Ils sont très, très jolis ces autocollants-là. Et ici, dans celui-ci, nous avons... C'est une bonne idée, tes petits carnets, là. Alors, il y a des papillons, des petites fleurs de Monstera. Voilà, je ne sais pas si on le voit. Hop. Voilà, des feuillages. Super sympa. Dans celui-ci, nous avons des boules de Noël et des napperons. Des petites aussi, des petites banderoles. Super sympa. Et donc, dans le premier, ah, ici, nous avons tout plein de chipboard. On va regarder ça ensemble, des die-cuts.
On va regarder pour celui-là. Alors, par où on l'ouvre hein. Ah, voilà. En fait, il se glisse par-dessous. Oh, super. Donc, il y a des petits singes, des petits ours, des petits pingouins, un petit panda de Noël. Donc, plein d'animaux de Noël. Il est super chou celui-là. On a un petit poussin de Noël. Une découpe Merry Christmas. Une petite bonbonnière, distributeur de bonbons. Hop. Des pingouins. Une petite vache ou licorne, je sais pas. Il n'y a pas la corne, ça doit être petite vache. Un petit éléphant. Ils sont mignons les petits stickers là. Ah, on a Harper. Dans son petit panier. Un petit paquet. Voilà. Une petite cloche. Et il y a beaucoup de pingouins, en fait, dedans. Ah, c'est super sympa. Un sapin de Noël. Ouais. Tout plein de petits die-cuts dans ce paquet. Super. Et dans celui-ci, on a tout plein de découpes de Noël avec des flocons, un attrape-rêve, des guirlandes d'étoiles, un cerf, et tout ça dans les tons rouge, vert, noir. Super sympa. Merci beaucoup, Michel, pour tes petites découpes, ton petit carnet de découpes. Il me sera très, très utile, surtout dans cette période. Et ensuite, nous avons, dans le même principe, le carnet de tampons. Et cette fois-ci, elle a mis un ruban blanc, vous voyez, avec des petits flocons gris. Super joli. Hop. Carnet de tampons. Waouh. Un jour à célébrer. Merci de tout cœur. Pour toi, pour vous, avec tendresse. Ah, c'est super. Comme ça, pourquoi je ferais des petites cartes ou des petites ATC. J'aurais juste à piocher dans le carnet. Petit échantillon de douceur. Un petit mot doux, passe une belle journée, concentré d'amitié, tout simplement, merci d'être là, joyeux anniversaire, tu es spécial, la vie est belle, chaque jour compte, petite parenthèse de bonheur. Ah, c'est super. Félicitations, courage, bienvenue, bonne route, bon départ, prompt rétablissement, merci beaucoup. Et il y a même des petits pansements. Ici, nous avons des petits personnages, un magnifique Père Noël, un bonhomme en pain d'épices, un cerf, des chaussettes, une étoile. Super. Ici, nous avons des animaux de la jungle, avec les paresseux, les koalas, le makikata, le perroquet, un ananas, le toucan. Super. D'autres petites phrases. La vie est faite de petits riens qui comptent plus que tout. Thank you. La vie est belle quand tu es près de moi. Il y a des moments où plus rien ne compte à part le bonheur d'être ensemble. J'aime ces instants complices qui enchantent ma vie. Oh, j'aime bien. Ça va être sympa ces petites découpes. Alors, unique à mes yeux, love, petit bout de vie, essentiel et précieux, moment spécial, belles images saisies sur le vif. Nos plus beaux souvenirs d'un cliché à l'autre. Collection de petits instants inoubliables. Tu m'en as fait plein, là. Là, on a encore tout plein de mots et de petits tamponnages. Là, pareil, c'est des petits cadres. Fait maison, pièce unique. Unique à mes yeux. Bah, là, c'est les mêmes que l'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est les mêmes que tout à l'heure. Esprit de fête.
Et là, des petits tamponnages nuages avec des pluies, une pluie de cœur. Celui-là, on les a vus tout à l'heure, c'est très joli. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Et là, on en a d'autres. D'autres sentiments. Amitié, un grand bravo, un petit mot. Pour toi, pensées affectueuses, hello. Avec toute ma sympathie. Oh, c'est génial. Merci beaucoup pour ton petit carnet de tamponnage. Ah, c'est une très bonne idée. Merci, merci. Et ensuite, il me reste à découvrir la case numéro 2 du calendrier chalet. Alors, la case numéro 2 du calendrier chalet. Donc là, il y a le 3 pour demain. Le 2, il n'est pas là. Le 2, il doit être pas... Ah, il est là, le 2. Le 2, c'est la toute dernière. Donc, le 2, il est ici. Donc, je vais ouvrir la case. Oh, super! Petite roulette. Petite roulette Haribo. Goût cola. Je les adore. En plus, celle-là, j'aime beaucoup. Et en plus, petit bonus, j'avais un petit thé. Une infusion fruits rouges. Ben, je la prendrai du coup ce soir après le repas et avant d'aller me coucher. Voilà, je pourrais boire mon petite infusion parce que là je viens de me prendre un petit café, donc du coup j'aurais dû attendre. Voilà, ben, super. Ben, merci beaucoup Michel pour tes petites attentions du jour. C'est super sympa. Ça me plaît beaucoup beaucoup. Et puis ouais, tu es adorable encore, hein. Je te le redirai tous les jours, mais tu es adorable de m'avoir fait un calendrier, ça me touche beaucoup. Eh bien, j'espère que cette petite ouverture de calendrier vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à demain pour une prochaine ouverture. Bisous !